Lors de la saison 2013-2014, le Vercel Handball Plateau fête sa 40e année. Je me suis lancé un défi, celui de vous résumer 40 ans d'histoire, 40 ans de matchs, de victoires, de défaites, de troisième mi-temps mémorable, 40 ans de joie, mais aussi de peine, 40 ans de moments chaleureux. Pour débuter ce reportage, j'ai eu l'honneur de rencontrer Nicole Girardet, épouse du fondateur du club. Elle m'a sympathiquement accueilli chez elle, juste à côté du gymnase de Vercelles. C'est en 1963 que mon mari, Léon Girardet, a été nommé professeur d'éducation physique et sport au Collège du Val d'Aon. Il était auparavant enseignant dans le primaire à Morteau, à l'école de Morteau. Il a donc choisi le sport de préférence parce que ça correspondait à sa nature, à son tempérament. Et puis, il pensait que le sport était un excellent moyen d'épanouissement personnel, tant physique que mental, intellectuel. Choisi de préférence le hand. Alors pourquoi le hand? Eh bien, il y a beaucoup de raisons. Déjà, c'est un sport collectif qui lui plaisait, ça va de soi. Ensuite, ça se passe en salle, ce qui est très important parce que les élèves, par tous les temps, peuvent jouer. Donc, ils pouvaient rentrer ensuite à l'école, faire leur cours sans être ennuyé, sans aucun inconvénient. Pour composer ses équipes de hand, donc Léon avait besoin de personnel, donc deux profs ont répondu à son appel et puis ils ont été d'un grand secours. Il s'agit de Louis Cachot, qui était à l'époque enseignant à Voutray. La deuxième personne était donc Jacques Février, qui était professeur à l'époque au Collège du Val d'Aon et qui se rendait facilement libre pour la cause. Il fallait se déplacer à Mamirolles, au gymnase de l'école de laiterie, parce qu'il n'y avait pas de gymnase à l'époque. Et les entraînements se faisaient sur à Voutray également. Petit à petit, tout ça s'est arrangé. Un gymnase s'est monté au collège, des équipes se sont formées, et puis l'idée leur est venue à mon mari de monter une équipe sur Vercelles. Les joueurs ont pu jouer grâce à la construction du gymnase en 1973. L'équipe a démarré à ce moment-là. L'anecdote sur l'équipe masculine, elle est simple. Hein. C'est qu'au départ, les entraînements duraient une demi-heure. Et puis, il y avait ravitaillement cigarette, ravitaillement Cronenbourg. C'était le rituel des garçons au départ à Vercelles. Alors, on a essayé de changer un peu ça et puis de faire en sorte d'avoir des entraînements un peu plus sérieux. On était allé jouer à Villers-Excelles. Il y avait eu tellement de neige ce week-end-là que j'avais regagné l'équipe à Villers-Excelles, mais le match était pratiquement fini. Et le retour fut vraiment épique parce que Léon Girardet avait fait un tour complet au-dessus de la côte de Pont-les-Moulins. Avec Henri Farisa et sa Volkswagen, sa coccinelle, on était pris à Grandfontaine-sur-Creuse ou à Domprel chez Grosjean. Et puis, pour finir, on est rentré. Il faisait grand jour, il était 11h du matin, parce qu'il n'y avait pas que la neige qui nous avait retenus, je ne pense pas, parce qu'on aimait bien faire la fête et on a toujours bien aimé ça au club, quoi. Au début d'un match, il manquait un joueur et il a fallu prendre grand soin et user d'imagination pour faire patienter l'équipe adverse. Le joueur manquant était donc Henri Farisa.
ça a pris pas mal de temps, de patience. Enfin, il est arrivé, et pour cause, avec beaucoup de retard, il est parti, il s'est absenté depuis le matin avec sa famille. Il est allé faire du ski dans le Doubs. Et au retour, eh bien, il a tout simplement perdu ses enfants. Il fallait rassembler la famille et il en manquait. Mes deux fils ont également été impliqués dans le hand. Jean-Michel a joué, Olivier a joué également. Et en plus, il a été formateur, initiateur de hand avec des jeunes, avec un groupe de jeunes. Ça a duré plusieurs années même. Donc, Léon a été président fondateur du club de l'UFCV handball depuis l'été 1970 et jusqu'en juin 1991. En cédant sa place de président, Léon souhaite encore prendre la charge de l'éveil des tout-petits en disant « Je resterai ainsi à la base de la formation et de l'épanouissement de l'UFCV handball ». Mais combien de temps cela a duré, je ne peux pas le dire. 4 ans avant de céder sa place de président à Marie-Albert Dufay, Léon lui avait déjà passé le relais d'entraîneur des seniors féminines. L'équipe était alors en excellence régionale. L'entraînement des filles, du collectif filles, c'est un peu par rapport à leurs demandes. Dans la mesure où, dans un premier temps, Léon, bien pris par la municipalité et toutes ses activités, parce qu'il n'avait pas que le handball, demandait de le remplacer. Et ben, les filles Perrin, Babette Ouédé, Gabi-Henriet et autres avaient souhaité que je fasse un peu plus d'entraînement, ce qui s'est fait. Et petit à petit, j'ai été blessé à un moment donné, donc je ne pouvais plus jouer aussi avec les garçons. Et ce qui a fait que, plutôt que de mettre les tennis pour jouer, j'ai mis les tennis pour coacher. En 1990, l'équipe monte en pré-national. Les filles sont dans une telle dynamique que 2 ans plus tard seulement, elles accèdent à la Nationale 2. Je crois qu'un des plus grands moments qu'on ait eu au club de Vercelles, c'est ce match de la montée. Montée en nationale, on était déjà assuré de monter depuis 3-4 matchs, mais on avait voulu, avec l'ONS, c'était l'ONS qui était venu, et on avait voulu faire une grande soirée. La grande soirée du handball sur le secteur. C'était le premier club dans tout le monde de sport collectif, tous les sports collectifs du secteur là, qui montaient en nationale. Et donc on avait voulu profiter de ce dernier match pour faire venir un peu tout le monde. Il y avait à peu près 500-550 spectateurs dans le gymnase. On avait voulu faire une grande fête pour toutes les filles, une entrée avec poursuite, chaque fille était appelée. J'ai perdu le mot pour chacune des filles, on avait mis un mot pour chacune des filles, j'avais fait ça. Et puis je les vois encore, moi chaque fois je travaille dans le gymnase là, c'est toujours un petit peu... C'est toujours un petit peu dur d'en parler parce que les musiques, c'était vraiment pas un aboutissement parce qu'après, il fallait se maintenir derrière. Mais c'était un grand, grand, grand moment d'amener toutes ces gamines, ces premières joueuses là qui ont tenu tête, qui ont voulu faire en sorte que ce club monte et puis qui se sont bagarrées, qui avaient commencé le handball sur le tard avec ces jeunes qui arrivaient, etc. Et puis on avait fait une super fête. Et j'ai toujours souvenir de cette grande table au milieu du gymnase, là, où tout le monde, après le match, avait, avec nos super partenaires, qui nous avaient concocté un lunch, là. Le 8 mai 1993, le gymnase est plein à craquer. Le club reçoit en grande pompe tous les Vercellois qui soutiennent cette superbe équipe. L'USCV Handball brille pour le plus grand plaisir de tous. Mais j'ai vraiment, chaque fois que je rentre dans le gymnase ici, ce que j'aime bien, parce que j'y bosse déjà depuis des années,
Et je continue. Et puis, ce que j'aime bien, c'est l'odeur de gymnase et c'est ces images qui reviennent régulièrement. Voilà, de ces joueuses qui rentraient par la porte là, qui venaient là, qui se sont placées, lumière éteinte et tout, avec ces gens dans les tribunes, qui n'étaient pas tout à fait celles-là, mais c'était vraiment, vraiment un grand, grand, grand. Angèle Mahoutou et Valérie Valérie Hirier. Quand elles arrivaient au gymnase, elles sortaient des grosses journées de travail au Conseil Général, hein, ranger les documentations, les trucs comme ça, c'était des grosses journées de travail. Et quand elles arrivaient au gymnase, Angèle, elle arrivait, les yeux baissés, elle disait « Ouah, du douche, tu sais, je suis très, très, très fatigué. Ah, je ne vais pas pouvoir courir ce soir, je suis très fatigué. » Ça, c'était, c'était Angela. Notre internationale ivoirienne, et avec de très très bons souvenirs, hein, autre que ça, hein, parce que sur le terrain, c'était de la dynamite, quoi. Et puis Valérie Valou, c'était un tir de bûcheron, quoi, à éclater n'importe quelle tête qui passait derrière les buts, quoi. J'ai commencé le handball en 1984. À cette époque, j'avais une amie, Christelle Michaud, qui était hyper dynamique et qui ne pouvait pas rester en place. Elle a cherché un sport à faire à Vercelles. Et un jour, elle a choisi le handball, donc elle m'a emmené à un entraînement. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas quitté le club de Vercelles. Donc j'ai commencé en Benjamin. Puis en minime, en cadette, puis j'ai intégré l'équipe senior B en honneur. Puis j'ai été intégrée au collectif A où j'ai connu la nationale 2 avec la grande époque, des grandes virées en bus. Qui dit nationale 2 dit beaucoup de déplacements. Région parisienne, région lyonnaise, mais aussi Sedan, Amiens, Saint-Étienne, Longwy, Saint-Cyr-sur-Mer. En moyenne, 8000 km par saison. Beaucoup de temps passé dans un bus qui ont entraîné beaucoup de moments inoubliables. Puis il y a eu aussi l'osmose qui s'est faite avec des joueuses qui sont venues d'extérieur, avec qui on avait galéré contre elles dans les matchs contre la SPTT, contre d'autres clubs. Et puis on avait par exemple ces filles de Moiran là qui sont venues, Momo et puis Sandrine. Et tout ça, ça a fait que petit à petit la sauce a pris. Et puis on a eu un passage avec une joueuse qui voulait partir de l'ESB, Laima Cavalios-Kienne. Aujourd'hui, Laima, elle s'occupe de l'équipe dans son pays, hein, Lituanie. C'était une joueuse d'une extrême qualité, hein, à niveau international. Entraîner une fille comme ça, c'était du bonheur, parce que pendant que nos filles nous faisaient 5 pompes, elle en faisait 15. Et puis, elle est vite fait de les mettre vraiment au diapason pour avancer, quoi. J'ai eu le plaisir de jouer avec une internationale ivoirienne, Angèle Mahoutou, avec une internationale lituanienne, Laima Kavalioskienne, deux filles qui nous ont apporté énormément. Lors de la saison 97-98, le club a la chance d'accueillir une nouvelle internationale. Laima.
venue tout droit de l'ESBF, où elle brillait en D1, elle a apporté énormément au club. Au-delà des 10 buts de moyenne par match, nous retiendrons surtout d'elle son extrême gentillesse. Ben, la dernière année, c'est une grosse année. Une grosse année où vraiment on avait une équipe rajeunie, une équipe avec où on avait eu la chance d'avoir Laïma qui avait signé chez nous, Laïma Cavalioschiene. Et c'est vrai que ça nous a augmenté le niveau très rapidement. On avait mis la charge de travail un peu plus importante. Les filles ont compris très rapidement que. Ben, qu'avec une joueuse comme ça, on n'était pas là pour se reposer, qu'on venait pas pour palabrer puis pas avancer. Donc 3 entraînements par semaine, c'était vraiment un gros boulot. Et puis petit à petit, les résultats ont été là, quoi. Au fur et à mesure de la saison, de très bons résultats. Et puis match Coupe de Franche-Comté, qui était un niveau relativement élevé, puisqu'on avait joué contre Vesoul. Et on a battu Vesoul en terre 70, 7-0, puisqu'elles étaient pratiquement chez elles étaient à Noidan. Donc voilà, petit gymnase qui nous avait avantagé un petit peu, parce que nous, on avait l'habitude de jouer sur un plus petit gymnase à Versailles. Et ça nous avait avantagé parce qu'on avait, plus l'habitude et ça nous avait permis de garder un rythme par rapport à Vesoul qui était un niveau supérieur et qui avait déjà plus de rythme que nous, quoi. Donc c'était une super saison et voilà, je crois que c'est bien des années passées au club, hein. C'était la saison qu'il fallait jouer. Pour toutes celles qui ont joué avec Laïma, c'était une super fille. Elle n'a pas été retenue... pour rien dans l'encadrement de l'équipe de son pays, hein, lituanienne. Et on la voit de temps en temps, moi je la vois de temps en temps sur des rencontres internationales, parce que j'ai la chance avec la fédération de pouvoir la rencontrer, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et c'est toujours la même, je crois que le sourire qu'elle a apporté, et puis toute la notion de travail, c'est quelque chose qu'il faut retenir, parce qu'elle avait des valeurs, c'est une fille qui avait des valeurs de travail, des valeurs de respect. C'est certainement ce qu'on a essayé de faire passer à toutes nos gamins, gamines du club. En National 2, nous jouions contre des équipes lyonnaises, parisiennes, mais aussi nous avions ce fameux derby Versailles-Saint-Vite. Donc à cette époque, Saint-Vite prenait un peu le club de Versailles pour une équipe de paysannes. D'ailleurs, ce qui nous avait un petit peu fait penser à aller jusqu'à chez elle en tracteur, on avait quand même abandonné l'idée. Et sur le papier, nous devions dominer largement ce match puisque nous étions en haut de tableau et Saint-Vite en bas de classement. Finalement, ce fut un match très disputé sur le terrain, à tel point que fin du temps réglementaire, nous étions en match nul. Donc Saint-Vite, n'en espérant pas tant, a exulté. Les supporters criaient, sautaient, dansaient, chantaient. Ils avaient même mis la musique « We are the champion » pour dire qu'ils nous avaient battus contre toute attente. Et à ce moment-là, l'arbitre se dirige vers nous et avait sifflé juste avant le temps réglementaire, on n'avait pas entendu. Donc nous avons envoyé notre joueuse la plus experte pour le tirer, qui était donc l'internationale lituanienne Laïma Kavaliuskienė. Donc le jet franc a été tiré et marqué de 12 mètres, je crois. Donc c'était là, tout d'un coup, nous n'avons plus entendu le public de Saint-Vite qui s'est rassis et devenu muet. Et c'est les supporters versaillois qui ont envahi le terrain et qui chantaient à leur tour « We are the champion ». Ça va rester gravé à tout jamais dans la mémoire du club, je pense.
plaisir de jouer les barrages en National 1. Alors ça, c'est un souvenir vraiment qui va rester gravé. Malheureusement, on a échoué, de peu, mais on a échoué. En 98, le SBF prend la tête du classement de N2. Vercel, juste derrière, est donc qualifié pour les barrages d'accession en N1. Deux matchs aller-retour contre Saint-Cyr-sur-Mer. À l'aller, les filles prennent l'eau et s'inclinent lourdement de 7 buts. Le match retour à Vercel s'annonce compliqué. Les filles donnent tout et battent Saint-Cyr de 7 buts. Il manquera donc un but pour monter en N1. La montée ne se fera pas. L'équipe se consolera avec la Coupe de Franche-Comté qu'elle remportera contre Vesoul National 1. Cette fin de saison, Laïma quitte le club, Marie-Albert Dufay aussi. Depuis sa création, le club a toujours eu une équipe senior masculine. Les piliers fondateurs du club, composant la première équipe, ont su transmettre aux générations suivantes leur passion du handball, mais aussi et surtout de la fête. Le potentiel ayant toujours été réel dans ces équipes, il ne leur a probablement manqué qu'un autre Léon Girardet ou un autre Duduche pour accéder durablement à un niveau supérieur. Dès 1998, afin d'assurer la relève, le club met en place une nouvelle politique de recrutement. Cherchant ma voie professionnellement, j'ai décidé de m'investir dans ce qui me passionnait le plus, c'est-à-dire une formation de brevet d'état premier degré handball. À cette époque, nous avons la chance d'avoir un président qui est René Georges, qui décide de donner un nouvel élan à ce club. Comme salarié en emploi jeune pendant 5 ans. Je profite de ce temps pour intervenir dans les écoles, donc les écoles primaires, pendant laquelle on a organisé beaucoup de tournois réunissant l'école publique et l'école privée. Ça a permis aussi un rapprochement et ça a permis surtout le recrutement de nombreux jeunes pour étoffer nos équipes. Et dans la foulée, nous avons aussi signé une charte avec le Collège du Sacré-Cœur pour mettre en place une classe handball qui durera 3 ans jusqu'à la fin de mon contrat d'emploi jeune. Pendant toutes ces années, j'ai quand même vu défiler pas mal de coachs et d'entraîneurs. Mais bon, je pense que celui qui a fait le plus d'effet, c'est quand même le premier ou la première, Karine, qui m'a appris à jouer au hand quoi, les premières années. Et puis, voilà, quoi, tout ce que j'ai appris, c'est elle. Et puis, ce coup-ci, après, c'est de la perfection. Mais bon, c'est quand même partie d'elle. Quoi, donc, puis après, il y a eu Françoise. En moins de 15, il y a eu Rudy, et puis après en senior, il n'y en a pas eu des masses. Mais quand même, c'est la base, ça part rien de Karine. Ça fait une paire d'années scolaires que je suis dans le club. Je suis arrivé en 2001. J'ai commencé avec les moins de 13 ans. Et du coup, j'ai jamais arrêté. Quoi. J'ai fait toutes les catégories qu'il y avait au club. Sauf une année où je ne pouvais pas encore jouer en senior. Donc j'ai coaché une année les moins de 15 ans. Et pour le moment, je joue toujours avec les seniors garçons. Le travail effectué à l'entraînement pour assurer le succès de l'équipe nationale 2 aura aussi pour effet de créer une équipe réserve de grands talents. Cette équipe B jouera régulièrement les premiers rôles en régional. Après les départs simultanés de Laïma Kavalioskén et Marie-Albert Dufay, le club arrive tant bien que mal à se maintenir au niveau national 2 pendant quelques années.
Mais il est rapidement dépassé par la lourdeur des obligations techniques, sportives et financières, conjuguées à de très mauvais recrutements de joueuses et de cadres. Ces erreurs de recrutement vont mettre le club en difficulté, si bien que le VHBP entame une descente sportive vertigineuse. En 30 ans de handball, j'ai connu bien sûr de nombreux coachs qui m'ont tous marqué à leur manière. D'abord Marie-Albert Dufay qui m'a tout appris du handball de haut niveau, qui a été le premier à me faire confiance en jouant national. Il y a eu aussi Laurence Gilles qui est passée de coéquipière à coach. Il y a eu aussi Mourad et son bonnet de nuit qui était un excité au bord du terrain, qui faisait des bons 3 mètres, qui avait des tactiques assez particulières dans laquelle certaines joueuses devaient sauter et rester en l'air pendant 2 minutes alors qu'on faisait des doubles croisés fabuleux. Il y a aussi Françoise Garde qui a été ma coéquipière et mon coach et à qui j'ai remis maintes et maintes fois le genou en place parce qu'elle avait des problèmes de ligaments. Personne ne voulait toucher à ce fameux genou, il n'y avait que moi qui acceptais bien de m'approcher pour la soulager. Les premières années, on a fait le tournoi de Grès, qui est quand même un tournoi international, donc il y avait quand même des bonnes équipes qui étaient là. Et nous, on était inscrits en moins de 15 ans, alors qu'on avait tous moins de 13 ans. Mais c'était mon frère qui était trop vieux pour jouer en moins de 13, donc on avait inscrit l'équipe en moins de 15. Donc on a pris des belles pilules, mais on en garde un super souvenir parce qu'on rigolait bien, et puis en plus on avait la piscine gratuite juste à côté. Et c'était vraiment des super moments avec tous des anciens. Enfin, il y avait Vincent Garde, Vincent Toublon, Kevin Ruiz. J'en oublie plein. Mais on avait vraiment bien rigolé dans les tentes et tout. En plus, il y avait les filles qui étaient là, donc on rigolait bien. Et ça reste un très bon souvenir. Contrairement aux résultats sportifs des équipes seniors, la fête et l'humour ne sont pas en déclin comme le démontre ce lip-dub réalisé en 2010. Puisque les dauphins sont des rois, seul le silence s'impose. Puisqu'il revient à qui de droit de tenter les métamorphoses. Puisque les révolutions ce n'est plus qu'un système.
sa police américaine. Au cours de la dernière décennie, quatre présidents se sont succédés avec pour objectif principal de sauvegarder l'héritage des 30 années précédentes à travers la pérennisation du club. Pendant toutes les années de senior, enfin depuis que je joue en senior, quoi, on a eu des saisons qui étaient quand même plus ou moins satisfaisante. Mais bon, il y en a quand même une qui, je pense, sort du lot, c'est la saison 2011-2012. On fait une saison plus que correcte en atteignant la troisième place, donc on était vraiment content de ça. Et cette saison-là aussi, on a allé jusqu'en 32e de finale de Coupe de France, en ayant passé les quatre premiers tours. Et ce tour-là, on est allé jouer à Arbois, donc c'était une super ambiance parce qu'on est parti en bus avec pas mal de supporters, enfin, il y avait pas mal de gens qui étaient venus, et un bon match quoi, perdu, mais bon, ils étaient plus forts que nous, et on a ensuite fait une dégustation dans une cave, donc c'était sympa, et puis après un restaurant sur place. Et le retour en bus aussi, on a vraiment bien rigolé, donc c'était plutôt des bons souvenirs.
La promotion du club et de ses équipes est indispensable à l'évolution du VHBP. Celle-ci passe notamment par la réalisation d'un calendrier depuis 2011, un journal depuis plus de 30 ans, depuis 2010, ce journal paraît trois fois par an sous le nom de Vercel en Mag Plateau. À la recherche d'une manifestation inédite, le club se lance en 1998 dans l'organisation d'un défilé de mode. Cet événement rencontre encore aujourd'hui un grand succès. Après avoir feuilleté ensemble les 40 premières années de notre club, à nous, licenciés actuels et futurs, d'écrire ensemble la suite de l'histoire. On part quand même confiant pour l'année prochaine parce que on aura quelques recrues qu'on a déjà vues plusieurs fois à l'entraînement, donc c'est plutôt une bonne chose. Un gardien qui doit revenir, Alex, donc ça présage quand même des bonnes choses pour l'année prochaine. Donc on espère que ça ira mieux et qu'il n'y a pas de raison. Nous, Nasser, dirigeante des moins de 8, des moins de 14, membre du CA et joueuse de l'équipe senior fille. Nous sommes avec l'ensemble des coachs et de CA sur le pied de guerre pour donner un nouvel élan au club. Ce nouveau souffle de dynamisme passera par nos jeunes. Nous avons la chance d'avoir des équipes jeunes féminines dans presque toutes les catégories. Et toutes ces équipes réalisent une très bonne saison 2013-2014. Si ces filles continuent à jouer ensemble et intègrent le collectif senior dans les prochaines années, alors nous devrions retrouver le niveau régional rapidement. Quand je vois toutes ces équipes, des fois, qui s'entraînent le soir quand je quitte le gymnase, c'est dans cette dynamique-là. Et je pense que le club, là, s'il travaille encore dans cette mouvance, il arrivera à avoir une équipe qui sera peut-être en nationale. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour ces gamines qui portent le maillot avec fierté, que je vois en EPS avec mes collègues. Là. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est si on peut leur amener vraiment toutes ces choses-là, leur amener un encadrement de qualité, emmener au bout de ce qu'elles savent faire, et ben demain, ben, le club de Vercel Plateau, ben, il sera là où on était, où on a pu y aller. Voilà, ça sera le plus gros plaisir qu'on pourra avoir. Mais pour cela, il faut que nous réussissions à leur transmettre cette ambition, car ce sont elles qui composeront peut-être la grande équipe de demain.